Ah, un courageux. Un courageux qui va affronter le froid. Bon, moi je suis dégoûté parce que je me suis aperçu, d'ailleurs ça m'énerve, ma caméra se coupe toute seule des fois. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas parce que je manque de place ni rien, parce que à chaque fois je vide la carte SD. Même formaté il y a pas longtemps, comme ça... Enfin bref, donc là je voulais faire un... J'étais parti pour faire un petit vlog. En plus j'ai vu des trucs super intéressants. Il y avait les gilets jaunes qui ont bloqué une route et du coup... les gars ils me regardent. Et du coup... il y avait une putain de queue de véhicules, des camions et des voitures. Et c'était super impressionnant. Putain, je suis dégoûté, j'espère que ça va filmer, quoi, qu'elle a coupé après ce que je racontais. J'étais en train de vous dire que... Bah c'est tout, je vais recommencer au pire, mais bon... Je vous disais que je ne sais pas si vous aviez vu, mais j'avais changé les miniatures de mes vidéos sur YouTube. Donc j'ai même fait un code couleur aussi. Par exemple, pour les Daily Observations, c'est blanc. Parce que c'est un petit triangle noir avec un texte. Avec un texte dedans, donc le texte est d'une couleur différente. Donc blanc, Daily Observation, ma moto, ma chaîne et moi... c'est bleu, tout ce qui est balade et rencontre abonnés c'est vert, enfin voilà, donc bref il y a plein de trucs. Ah bah lui ça va, il me laisse passer quoi, merci mec. Je voulais vous dire que j'ai bossé ça et j'espère que vous appréciez parce que c'est visuellement c'est quand même mieux. Moi quand je regarde des vidéos YouTube c'est pareil, si les gens font des efforts sur les miniatures, ça donne plus envie de cliquer et de... Mais sans forcément de parler... c'est vert. Sans pas forcément parler de faire des vues, en fait. C'est même pour le plaisir personnel, quoi. Moi, ça me fait plaisir que ma chaîne soit belle, tout simplement. En plus, je suis dégoûté, on a vu plein de trucs tout à l'heure. Je suis passé dans un paysage, j'ai croisé des lapins et tout. Non, mais le mec est... Il sort de sa ville, il va à la campagne, il voit des... Mais c'est vrai, en plus j'ai croisé un petit lapin et tout. Bref. C'est pas grave. J'espère que vous allez apprécier le fait que j'ai travaillé mes miniatures comme ça. J'essaye de m'améliorer de plus en plus. Et de diversifier un peu ma chaîne. C'est pour ça que là je vous ai sorti des vidéos. Sur les accessoires, tout ça. Là je vais encore en sortir une. Parce que la dernière fois que j'ai été voir le nombre d'abonnés, j'en avais 413. Donc du coup voilà, c'est pour le travail que je fais, qui je trouve n'est pas forcément un truc de ouf, le nombre d'abonnés que j'ai, ça me convient. Je me tape tous les feux, ça me casse les noix. Ah, moi j'ai froid, hein. Je commence à bien avoir froid là, enfin pas aux mains du coup. Ah oui, du coup j'ai parlé de ça aussi, je disais que j'avais pas froid aux mains. Je disais que j'avais froid au corps, malgré que j'ai un maillot à manches longues, un gros pull et ma veste avec sa doublure. Ma veste en textile parce qu'elle est plus large que le cuir, donc je peux mettre des plus gros pulls en dessous. Enfin bref, tout ça, depuis tout à l'heure je vous raconte tout plein de trucs et finalement ça n'a pas été filmé. Je vous ai aussi dit que du coup j'allais changer cette vidéo et que... Parce qu'à la base je voulais en faire une compilation pour quand je roule et que je prends de l'angle et tout ça. Puis que finalement comme j'avais froid j'ai décidé de rentrer. Donc, et puis que j'arrêtais pas de parler aussi. Finalement je vais en faire un vlog. Voilà. Ça fera un vlog de plus. Avance, voilà. Merci. Ah, on va arriver dans le feu le plus long du monde. Voilà. Alors ceux qui ne connaissent pas Reims, bonjour la portière. Ceux qui ne connaissent pas Reims, en fait, ceci est le feu le plus long du monde. Clairement. Non, c'est parce qu'en fait, des fois on se fait baiser parce que comme il y a un tram qui est là, donc le feu il est au rouge. Après donc les autres feux se mettent au vert machin. Et quand c'est normalement à notre tour, des fois il y a un autre tram qui vient et clairement nous on se fait sauter. Donc en fait on attend deux fois plus que les autres. C'était la petite anecdote. Visitons Reims bien entendu. Mais il est un mammifère qui vit sa vie dans un perpétuel ralenti. Les haïs sont si détendus que même le visage couvert de fourmis de feu, ils n'interrompent pas leur sieste. Cet herbivore d'Amérique du Sud a l'un des métabolismes les plus lents du monde. Tout
lui prend un temps fou. Et surtout ses repas. Ce qui est parfait pour le bébé Haï, qui peut ainsi faire de longues siestes accrochées à sa mère. Oh là! Oulala! 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 Bonjour! Oulala! Tu filmes encore, toi, hein? Ouais. Et là, le truc de ouf, elle filme et la caméra est décadrée. Parce que des fois, avec ma visière, je suis obligé de la baisser et... Ça m'est déjà arrivé une fois aussi. Je vous l'avais pas dit, mais j'avais le seum. Est-ce que vous aimez quand je fais des vidéos comme ça, où il n'y a pas spécialement de but, en fait, mais je parle. Le sujet de conversation arrive en fonction de ce que je rencontre et de ce que je croise. Ah, lui, il est obligé de se décaler et moi, je peux rester là. Putain, je suis dégoûté, le gamin il s'est même pas retourné. Moi j'aurais été à son âge, j'aurais fait « Oh ouais, une moto !» Mais lui il est en mode Déjà je porte mon sac qui fait 45 000 kilos. Ah ouais, moi je sais pas si c'était pareil pour vous, mais moi quand j'étais jeune, quand j'étais en primaire et au collège, mais c'était super lourd quoi, les sacs. C'était abusé. Après, quand j'étais au lycée, bon, clairement, je prenais deux feuilles, quatre stylos et c'est tout, mais... Alors que ça devrait être l'inverse, parce que c'est quand on est jeune qu'il faut pas se bousiller le dos, clairement. Comme je vous disais, ça serait bien de me dire si vous aimez ces formats-là de vlog où je fais pas forcément grand-chose, mais que je vous parle comme ça. Et puis voilà. Sur ce, ben, passez une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe. Et je vais tâcher de refaire un petit peu de vidéo là, malgré l'hiver. Donc voilà. Allez, salut. Ouais, c'est pas mal. Enfin, là, j'ai un petit peu froid avec le temps là. Pas vraiment, mais t'es un vrai motard, Théo. Eh ouais. Les vrais motards, ils ont pas de temps. Voilà, il y en a qui sortent la moto seulement quand il fait beau, mais c'est pas des vrais motards. Ouais, bah après, ouais, chacun fait comme il veut, mais... Ouais, je la sors, ouais. Enfin, par contre, quand il y aura de la neige, je la sortirai pas. Hein. C'est une caméra, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube aussi. Ah, d'accord. C'est sur Internet, sur YouTube, j'ai une chaîne, soit donc je fais des vidéos, machin. C'est bien. Ouais.